suis pas intéressé. Monsieur Tropper, c'est la production qui m'envoie. C'est toi le stagiaire? L'assistant. Ouais. Alors c'est toi que la prod a envoyé. Qu'est-ce que t'as de spécial? J'ai une chaîne YouTube sur le... Je m'en branle, en fait. Fais comme chez toi, mais toi, juste pas trop à l'aise. Tu t'y connais niveau caméra? Je me débrouille. Ok. Niveau son, tu gères? J'ai un cousin qui était perchiste. On raconte pas ta vie non plus. T'en voulais pas. Tu sais faire le café? Comme tout le monde, quoi. Parfait. Alors, ce qu'on va faire. Quand je te demande de me faire un café, tu me fais un café, je te dis d'appuyer sur rec. T'appuies sur rec, tu mouftes pas, et ce stage se passera très bien. Pardon, mais je suis pas stagiaire. C'est la production qui m'a envoyé pour que je sois assistant et co-présentateur. Ah, elle est bonne celle-là. Bon, allez, je vais rendre présentable. Mais Le sucre dans mon café. Et lance le générique tant qu'il y est. Aujourd'hui, nous allons parler du trope le plus satisfaisant du monde, celui qui fait que les histoires nous procurent autant de plaisir. Et non, pas ce genre de plaisir-là, je te vois venir, petit coquin. Mais vous tournez toujours en caleçon? Je t'en pose des questions. Bref, dans cet épisode du Tropeur de l'Extrême, nous allons parler du facteur de la catharsis. Il s'agit de la sensation de satisfaction que peut vous faire ressentir une œuvre en vous libérant de vos tensions et de votre stress. On dit qu'une œuvre est cathartique quand elle vous donne la sensation de vous purifier. Bien évidemment, chacun a ses propres sensibilités sur ce qu'il trouve satisfaisant, mais pour prendre un exemple qui parlera à tout le monde, l'étoile d'invincibilité dans les Mario, c'est de la pure catharsis. Le terme de catharsis remonte à Aristote. Eh ben c'est pas trop tôt. Donc tu sais pas faire le café? Je suis pas là pour ça en même temps. D'ailleurs, en parlant de la catharsis... Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller au Starbucks juste en bas de la rue, tu me prends à la T20, ok? Sérieusement? Qu'est-ce que tu fais encore là? Allez hop! J'ai une mission à faire, moi! Le terme de catharsis donc remonte à Aristote, en tout cas dans le sens qu'on lui connaît. À l'origine signifiant une purification religieuse, notre cher Totote en parle dans sa fameuse poétique comme d'un moyen de libérer ses émotions par l'art. Si aujourd'hui le jeu vidéo nous permet d'être acteurs d'événements cathartiques via le gameplay, pendant la majorité de l'histoire, la catharsis devait passer par la narration. Et ça tombe bien, la narration, c'est un peu le truc de l'émission. Écrire une histoire cathartique, ça peut être très compliqué, mais également très simple. Prenons un exemple basique d'un genre très cathartique, le film d'action. Voir des trucs exploser, c'est cool. On n'y peut rien, c'est le même instinct qui nous faisait détruire nos châteaux Lego. Mais ce qui différencie un bon film d'action d'un mauvais, je vous laisse faire vos imitations des inconnus dans les commentaires, c'est la capacité à donner un sens aux explosions. Un bon moyen de jouer sur la catharsis en général, c'est de se baser sur les émotions que ressentent les personnages. En gros, si c'est les gentils qui explosent, c'est triste, alors que si c'est les méchants, on est content. Une autre façon d'amplifier l'effet cathartique d'une explosion, c'est de jouer avec l'anticipation, en créant une tension qu'elle libérera. On n'a pas le même ressenti face à une explosion soudaine que quand on a eu le temps de voir l'explosion arriver, de comprendre les enjeux de cette explosion et de suivre les différents obstacles qui la retardent et font monter la tension. Pour un exemple concret, ne cherchez pas plus loin que la scène d'ouverture des derniers Jedi. Vous l'aurez compris, ça ne vaut pas que pour les explosions. À partir du moment où il y a une tension ou un malaise et que la résolution de cette tension ou de ce malaise se fait en un seul événement culminant, c'est un effet de catharsis. Eh ben ça va, t'as pris ton temps. Le Starbucks était fermé. J'ai dû aller à l'autre bout de la ville pour en trouver un autre. Bon, au moins tu l'as. Quoi? Il est froid. Sérieusement? Non mais c'est bon, j'ai compris, faut rien te demander. Tu parles d'un stagiaire? Je suis pas stagiaire, j'ai ma propre chaîne YouTube. Hey, oh, je t'ai déjà dit que je m'en foutais. Je suis sûr, de toute façon, t'as moins de 10 000 abonnés. C'est vrai, mais je suis... Eh ben voilà, mentionne pas en dessous de 10K. Allez, laisse-moi tranquille, faut que je finisse, moi. Autre utilisation assez classique de l'effet de catharsis, la justice karmique. Elle tient ses racines des œuvres moralisatrices, notamment chrétiennes, où les mauvais actes étaient toujours punis et les bons récompensés. En narration, ça veut dire que le méchant finit toujours par payer et que tout ce que les gentils doivent endurer leur permettra d'obtenir une récompense. Osez me dire qu'il n'est pas agréable de voir Jessica briser la nuque de Kilgrave après des années d'abus et de manipulation. Ou de voir Aragorn s'agenouiller devant les Hobbits à la fin du retour du roi.
Ouais, c'est un bon exemple. Je sais, parce que la catharsis passe pas forcément par des explosions et de la violence. Elle peut aussi être liée à des émotions positives, renforcées par l'attachement au personnage. Ok, tu fais quoi là? Je complète ton argumentation. Non, non, les cinéphiles ont peut-être décidé que j'avais besoin d'un assistant, mais moi je me débrouille très bien tout seul. Et moi je suis pas venu pour te faire des cafés. Ouais, mais c'est encore mon émission, merci. J'ai pas besoin d'un petit youtubeur de seconde zone pour me donner la réplique. Et puis c'est quoi ton but? T'es comme tous les autres, t'as envie de profiter d'un plus gros youtubeur pour te faire ton nom. Je te laisse bosser avec moi parce que la prod me l'impose, mais viens pas croire qu'on est sur un pied d'égalité, ok? Y'a mon nom sur l'émission, c'est moi qui l'a fait. Alors maintenant tu vas rester tranquillement dans ton coin, tu vas pas moufter. C'est pas parce que t'as des abonnés que tu peux te permettre de traiter les gens comme de la merde. Va faire ton café tout seul. Eh merde. Attends. Quoi encore? Je suis désolé, je me suis comporté comme un connard. Non, un gros connard. Voilà. Écoute. C'est juste qu'avant, j'avais un partenaire avec qui je faisais l'émission. Et quand t'es venu... Bon, écoute, laissons. J'aurais pas dû te traiter comme ça, c'était pas normal de ma part. Je m'excuse pas de moi. Est-ce que tu veux bien revenir et finir l'émission avec moi? En tant qu'assistant, pas stagiaire? Non. Non. En tant que partenaire, d'égal à égal. Ok. Mais à une condition. La catharsis peut donc passer par des émotions positives en offrant la résolution d'un conflit dans lequel le spectateur est investi, par exemple. Merci. Au final, l'effet cathartique est très subjectif et certains seront plus réceptifs à certaines résolutions d'intrigue que d'autres, selon leur vécu. Mais qu'elle passe par la violence ou non, l'intérêt de la catharsis, c'est d'offrir une satisfaction à l'audience. Et ça soulève une question très importante lorsque l'on écrit une histoire. Quelle émotion veut-on susciter chez le lecteur ou le spectateur? Est-ce qu'on cherche à les faire jubiler ou bien à les attendrir? Selon l'effet recherché, la résolution cathartique ne sera pas la même. Mais ce qui la fera fonctionner, c'est les épreuves que les protagonistes affrontent et les actes que les antagonistes commettent. Plus ce qui arrive avant la catharsis est dur, plus son arrivée aura d'impact. Il suffit de voir les réactions devant Game of Thrones. Apprenez donc à utiliser la catharsis en travaillant sur l'anticipation qui la précède, et vous serez sur la bonne voie pour écrire une histoire qui saura satisfaire vos lecteurs. Et n'oubliez pas qu'elle peut se manifester de bien des façons. Soyez créatifs. Sur ce, l'épisode touche à sa fin. Si jamais il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou un pouce bleu, à le partager au plus de monde possible. Vous pouvez également me soutenir financièrement en regardant des pubs sur Utip. On se retrouve la prochaine fois. Tropper, out.